Et finalement, rien à faire, trempé en dessous, les manches de ma polaire que je pouvais littéralement essorer. Et si je prends les manches, là vous allez voir la blague, mais c'est un délire. Bilan des survents, je vais vous montrer les gants, ça va parler. Ah bah attendez, je vais pas faire ça ici sur ça, je sais pas quoi. Pareil, les petits survents ils ne valent rien. Ceci explique cela. Donc là on a carrément la bande d'étanchéité qui est à côté de la couture. Si mal, enfin je sais pas, le contrôle qualité c'est où quoi? Sur la base du pouce là, on a de la bande d'étanchéité comme ailleurs. Et après, il y a une zone de transition. On passe de la bande d'étanchéité au tissu collé entre eux. Donc je me dis, l'eau, si elle est pas bête, elle va se balader entre les deux tissus avant qu'ils soient collés entre eux, sous la bande d'étanchéité, puis sortir après. Il me reste 5 jours en Islande et il va pleuvoir tous les jours, donc j'espérais, j'étais content, je me disais pour la première fois j'ai investi, je me suis pris du bon matos et tout, je vais rester au sec, mais finalement pas trop. Petite brume, pas de grosse pluie, sur la chaîne je suis sec, sur le bras, mais dedans je suis trempé, les jambes trempées quoi. Là j'ai dû ouvrir la veste pour qu'elle s'aère un peu et là, oh, quand j'ouvre et qu'elle touche le pantalon, voilà, on voit bien que ça brille. Bon, du coup, ce que j'ai fait, comme l'intérieur était plus mieux que l'extérieur, j'ai fini par la retourner. C'est quand même un comble pour une autre chaîne. Allez, profitez de la vue aussi. Here I saw two people with a mammoth jacket with Gore-Tex and Arc'teryx jacket. So far with Gore-Tex it's okay, even in the Icelandic conditions here. Okay. Still aren't wet underneath. Yeah, it's dry and comfy. Hey, thanks. Donc là, il s'est mis à pleuvoter depuis 5 minutes. C'est vraiment une pluie, mais rien du tout, quoi. Donc j'ai mis la veste, et donc déjà au bout de 5 minutes, elle est humide à l'intérieur. Quatrième jour, je découvre que le bas de mon pantalon est déchiré. Bon. Guide-pente. 4 jours d'Islande, déchiré au milieu. Le zip aussi qui est lâché. Et le bas du pantalon qui est déchiré. Je remarque que l'arrière du tissu ultra shell dite pente bouloche carrément au contact du sac à dos. C'est quand même 4 jours de marche, c'est quand même pas énorme. Donc pour un dite pente, c'est quand même du foutage de gueule. Vous préférez des montagnes, mes couilles. Il y avait ça également. Et pour mémoire, hop là, l'intérieur où la bande d'étanchéité se décolle. Et aussi, ça a craqué. Bref, c'est de la merde. Jour au matin, je remarque également que la bande d'étanchéité ici est fortement usée sur la couture, là au niveau de la hanche gauche, donc pas qu'au niveau de l'entrejambe, au niveau des fesses ici c'est aussi clairement décollé, et aussi au niveau de la poche droite. Donc encore une fois, guide pente mes couilles, préféré de montagne mes couilles, voilà. Peu de batterie après 2,3 km de marche peu intense. Ma polaire commence à être trempée sous ma veste d'expédition Simalp Advanced Ultra Shell. Je vais devoir l'enlever alors qu'il y a une petite pluie, c'est con. 6, je viens de retirer ma veste Advanced Simalp. Ça fait seulement 2 km que je marche et pas non plus à très très bonne allure. Hein. Des petites pauses, tout ça. Il commençait à y avoir de la condensation à l'intérieur, pourtant il pleuvait pas beaucoup. Il y a eu quelques petites gouttes de pluie, c'est pour ça que je l'avais mise et pour l'effet coupe-vent aussi. Aération ouverte sous les aisselles, veste grande ouverte devant
voire même capuche retirée pour essayer d'optimiser l'aération du truc, mais rien à faire. Même s'il y a quelques gouttes, je pense qu'elles vont mieux s'évacuer par évaporation depuis la polaire qu'avec la condensation ou le problème d'étanchéité, je n'en sais rien, de la veste. Et il fait pas chaud. Il fait vraiment pas chaud.